Bonjour, bonsoir à tous, ici Anchois, on se retrouve encore une fois pour un nouveau Shiny. C'est le 17ème Shiny depuis le début du mois et depuis le début de l'USHC. Comme vous pouvez le voir, c'est un Tauros. On est le 20 juillet 2015 et 18h48, il y a 10 minutes, je suis tombé sur ça. Voilà. Alors déjà, oui, ça fait un moment que j'ai pas trouvé. Parce que bah, ma chance a l'air de partir quand même. Puis en plus de ça, bon, je faisais des recherches plutôt lentes. Hein. On était vraiment pas à fond, quoi. Alors, je vais monter un petit peu le son du jeu. Voilà. Alors, je suis pas tout seul, je suis avec Lucas sur Stream de Mentalo, quoi. Eh ouais. Voilà, si tu veux dire un truc. Bah écoute, GG, hein. Bah merci. Voilà, donc là, je vais régler le son parce que là, le son était un peu trop fort du coup. Là tout va bien, donc ouais, donc il était à peu près 18h37. Oui, parce que en fait, je vais expliquer un truc, c'est que en fait, j'avais lancé l'appel sur Skype, et au moment où je lance l'appel, ce taureau s'apparaît. Donc en fait, le premier truc que j'ai dit, c'est Shiny, quoi. Ouais, c'est ça. C'était assez marrant. C'était assez marrant. Voilà, voilà. Bon, bah, on va le capturer, hein. On va le capturer, donc... J'ai une speedball. Bah, tente la speedball, hein. Ouais. En plus, il y a une bonne vitesse, ton rôle, donc ça peut marcher. Ouais. Il a 110 de base vitesse. Ouais, donc ça passe. Eh non, ça passe pas. Ah ah. Ah. Quel dommage. Trop facilement, bon, je repose. D'ailleurs, si tu veux. On va faire ça. On va faire un ball. Du coup, hyper ball, hein. J'en ai 3, il est hyper ball. Ah, j'ai pas grand chose en ball, hein. J'avais que la football qui était bien, mais après le reste. Du moment que tu arrives à l'attraper, moi ça me va. Oui, voilà. En coup de corne, ouais, il va défoncer dans le Saralto. Alors, oui, pourquoi nous sommes en tête d'équipe? Parce que, bah, le premier petit bol que j'ai trouvé, parce qu'il est tout piqueur dans la zone. Voilà. En fait, il fallait qu'il soit assez rapide et petit bol. Et d'ailleurs, sur une des versions, je crois même que c'est celle-ci, j'avais un souci avec un Saralto, c'est que. Eh ben. Le Nosferatu était nature en vitesse et avait un niveau de merde en vitesse, ce qui faisait que les taureaux pouvaient le dépasser. Je dis, bon, bah, on va changer de Nosferatu. Ah. Notamment les taureaux niveau 21, je crois. Parce qu'il y a pas... Il me semble qu'il peut être niveau 21 aussi. Allez, dernière hyperbole. Bon, bah, il sera pas l'hyperbole non plus. Bon, bah... Et poursuite. Du coup, on va faire quel ball? J'ai 4 Honor Ball, j'ai 26 Pokéball et 37 Super Ball. Ah, je sais pas. Une honneur. C'est bon. On peut toujours tenter, hein. Même si ça lui va pas vraiment, bon. De toute façon, y'a rien qui lui va maintenant. Y'a plus rien qui lui va. La speedball, elle aurait été bien, mais. Ouais, carrément. Ça fait 3 assez proches, non. Ah.
Ouais, c'est bien, t'as repos, mais voilà. Avec ta PV maximum, tu peux. Tu ne t'endors pas. Bon, bah, pas d'énorme non plus, hein. Pas de Nerbol non plus, donc ça va être quoi, Poké ou Super? Bonne question. Moi bon, j'aimerais bien petit honneur. Non mais des honneurs j'en ai plus. Ah merde, j'ai compris qu'il te restait des honneurs et des super. Non des Poké et des super. Pokéball et super. Ah bah. Pff, tente la Pokéball. On va tenter celle de base. Hein. Ouais. Je suis pas un adepte de la Super Bowl. Bah, je suis pas trop un adepte non plus de la Super Bowl, mais après. C'est pour qu'il épuise toutes mes Pokéballs, voilà quoi. Bah, évidemment. Bah, évidemment, je sais devenir celle-là. Bon, qui défonce mon Osirato. Lol. Non, toujours pas. Alors, au moins on les voit ces étoiles, hein. Pas de soucis, hein. Tu m'étonnes. Alors, attends, tu veux nous faire une Articodin ou c'est comment là? Ouais, le Articodin en 590 go, là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le truc, j'ai mis 4 heures à capturer et 4 heures non-stop. Hein. Et ouais. 4 heures sans pause. Bon, ça va, on s'éclate bien. On s'enjaille de ouf. On s'enjaille de ouf, hein, sur cette vidéo, c'est... Voilà. Ah, l'éviateur chenu. Ah, mais oui, non, mais ça, c'est l'éviateur rouge. Il a colère. Oh, c'est pas drôle. Oh, c'est pas un vrai l'éviateur chenu, ça. C'est le bombardage de Pokéball. Alors je sais que Tauros c'est quand même difficile à capturer, mais faut quand même pas déconner. Pourquoi tu t'es barré de la Speedball? Ah peut-être que l'éviateur peut l'appeler, je le rappelle. Parce que normalement... Ouais, il peut l'affaiblir. Il a plus de 40 PV quand même au niveau 20. Il a plus de 40 PV au niveau 20. Oui. Ouais, voilà. Hein. Après, j'espère pour lui. Hein. Sinon, c'est qu'il est pas normal. Ouais. Sinon, c'est que le jeu est hack. Exactement. Genre, il a été hacké, la base stat PV a été modifiée. Ah, ben voilà, ça marche beaucoup mieux comme ça. Ouais, bon, capturer une Pokéball, hein, tout.
Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire au tout début, tu sais, l'affaiblir avec un forage. Ouais. Puis ensuite, dans ma speedball, bon, il a dans une speedball. Parce que là. Là, voilà quoi. Là, voilà quoi. Donc, nous allons sauvegarder, hein. Bah ouais. Déjà. Puis ensuite, nous allons faire un pari nature. Oh, le pari nature. Ah, attends. J'ai même pas dit à l'autre jeu qu'il y avait un chemin. Alors. Roots. Voilà. Pari nature. Voilà. Inverser comme ça. Donc, pari nature. Bon, moi, je parie toujours doux. Toi, tu parles toujours jovial. Moi, je parie toujours. Exactement. Voilà. Natsukai parlait toujours rigide. Rigide. Et chez Zad, nous en savons rien. Bonne question, alors moi non plus. C'est pour ça que j'ai cru par une agence, ça se trouve aussi. Il y en a qui dit GG. Metarkai aussi, merci. Rayla qui paraît toujours discret, c'est vrai. Et Metarkai qui paraît pressé. Ok! Révélation HZ qui paraît solo, ok. Révélation de la nature. Il est docile! Ah ah, docile de nature. Personne n'a gagné. Voilà. Nature neutre. Nature neutre. Fuit rapidement, hein. Donc 54 de vitesse. Colérique. Ah, c'est bien ça. Il n'y avait pas intimidation, tu vois, tu vois. Ah. Il n'y avait pas intimidation. Bon, ben. Voilà. Voilà, donc. L'heure est affichée en haut à droite de l'écran, donc j'ai besoin de montrer sur mon ordinateur le CVC Time. Il est affiché. En revanche, il va falloir que je fasse une no cheating device quand même. Hein. Par contre, je vais modifier les paramètres du zoom, on va dézoomer. Bah, c'est de la merde ça. Oh, c'est chiant. Attends, je peux faire que comme ça pour dézoomer. Voilà, donc. Donc, no cheating device. Voilà, donc, de toute façon, je vais éteindre la console, je retiens le jeu. Hein, ça va être plus simple que ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va devoir sauvegarder. On va d'abord faire des rencontres. Parce que, voilà, oui. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, sur DSight, les AR se retirent. Hein. Donc quand même, faire des rencontres. Avec un Tauros normal. On fait péter les étoiles du Tauros Shiny. Bonjour Tauros. Ah, il est magnifique. Ouais, par contre, celui en face, il y avait intimidation. Ouais. Ah non, mais il envoie un Sporos, ça. Carrément. Alors, j'ai aussi montré mon équipe, hein, pour montrer qu'il n'y a pas de joli sourire dans mon équipe. Hein. Aussi, au cas où. Parce que, oui, sur 4G, joli sourire, voilà. De enfin, toute façon, c'est Tauros, donc de toute façon, l'effet augmenté... S'il y avait une probabilité augmentée de Shiny, en fait, ça ne serait pas appliqué sur Tauros. Exactement, parce qu'il n'est que mal. Voilà. Donc là, c'est colérique. Attention, intimidation, fermeté, regard vif et lumière-attirance. Donc lumière-attirance qui est en tête d'équipe. Donc pas de joli sourire. Voilà. Voilà. Oui, moi, je fais des preuves de joli sourire. Je suis comme ça, moi. Au moins, tu l'auras fait. Alors, il y en a aussi, qui te reprochent. Faut pas oublier de faire le No Charm Chroma, hein, évidemment. Sur 4G. Ouais. Exactement. Exactement. Bah, on nous demande de faire son Oregon 1. Alors, hein. Bah, si je trouve sur 3G, je pense que je le ferai aussi, hein. Ouais. Comme ça, on sera sûr. Donc, on va sauvegarder, on va éteindre le jeu. On va éteindre la console.
Voilà, donc j'éteins la console, je retire le jeu, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien, donc on va modifier On voit ça. qu'elle est branchée. Ça, on l'a vu. Ouais, elle est branchée sur le. Ouais, elle est en charge, quoi. Enfin, elle est en charge, Oui. elle est chargée. Non, mais... En fait, elle est branchée, mais elle est chargée, quoi. Donc, Oui, voilà. C'est pour ça que le voyant n'est pas allumé. voilà. Donc, Pokémon Argent sur Silver, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus, hein, c'est une vraie version. Hein. Juste ça que. Oh là là, Angelo, qu'est-ce que tu es riche! Ah ouais, vous avez ça, hein? Il y a un nombre de consoles inimaginables. Ah ouais, hein, vous avez ça, hein? Quelle chance tu as! PTDR. C'est un Ah, gentil troll. je suis tellement riche que bon, je me permets de payer de l'argent sans shuffle aussi, hein. Voilà. Hein, voilà. Je précise que c'est apprendre avec le sourire. Parce que bon. Oui, parce que je sais même pas si c'est à toi, je te l'avais dit en plus. Deux. Que j'avais payé pour shuffle. Ah ouais, si, tu me l'avais dit, ouais. Ah, c'est ça. Pour la semaine dernière, bon, j'ai payé un C'est un free to play, hein. Ah, c'est un peu quoi, j'ai payé 25 euros, bah ouais, pour au moins Voilà. payer le jeu, c'est Oui, histoire de voilà. payer le jeu. Exactement. Attends, le jeu, il est gratuit, on y joue gratos comme ça. Ah, t'es moche, toi. Ah, t'es moche, hein? Ah ouais, si jamais je Ah, t'es tombe là. moche, hein, Ouf! t'as vu? Ah, c'est encore plus moche là. Alors oui, Mes yeux. alors juste pour la petite histoire. Pour la petite histoire, non. Ouais. Ah si, je retombe sur toi. Je vais t'atomiser à la place de pique. Moi, je suis pas tombé sur lui. Putain, je pensais tomber sur lui en plus. Je suis tombé sur lui moi la route 48 hein. Ah ouais. Bah, moi je pensais tomber sur lui, mais non. Après, je suis tombé à lui, enfin sur lui à 5%. À la route 10. Putain. C'est la déprime. Ouais, bon, serait bon pour lui, non, pas sûr. Hein. Alors là, Brave, non, pas vraiment. bah, ça baisse la vitesse, mec. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, non. Non, c'est pourri. C'est pourri. C'est pourri, c'est une nature pourrite. Qui dit Régis, tu me connais. Eh oui, on te connaît. Voilà, parce que vous croyez. Enfin, non, c'est quoi le truc, c'est. Vous pouvez continuer pour... Ouais, que vous disiez des choses vous pourries. disiez... Oui, bon, continuez, c'est pareil. Que vous disiez des Attention, il est choses l'heure. pourries. Ouais. Le français. Ça fait allusion. Ça fait allusion, exactement. Bon, dédicace, parce qu'on va pas passer la soirée sur cette vidéo. Hein. Donc, dédicace à l'équipe de Titan 0.0 slash Terramos sans abri. Composé de The Mantalo, Night Sky, alors Borogoth, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, et Egona. Ensuite, dédicace à la combo des chasseurs de mon cœur, donc Benjamin RSH alias Pokémon, Elvandir RSH, Maetarfa, qui m'a dit GG tout à l'heure, Rayla, qui m'a aussi dit GG. Donc merci à vous deux. Shiny, Skyblue, Cyprien Pot de Vin, Tari SH, Delims et Vincent SH. Voilà. Dédicace à tous ceux qui ont tenté cette route et qui sont tombés sur des orties, des rapaces de pique, toutes ces choses-là Merci Angelo. avant de tomber sur Tauros. Là, vous allez rager. Parce que moi je suis tombé sur Tauros du premier coup. Voilà. Après c'est le plus haut pourcentage donc bon. Oui, c'est le plus haut Voilà. pourcentage étant donné que je ne suis pas de nuit. Voilà. Parce que sinon, le plus haut Ça aide. pourcentage c'est Canineuf ou Goupix. En l'occurrence, c'est bien sûr c'est Goupix. Voilà. Alors, bah, 17ème chenille DSHC, 17ème chenille depuis le début du mois, tout va bien. Bref, bonne chance à tous, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde!